Et voilà, deux cafés, c'est prêt. Sartek, ça veut dire à ta santé. J'adore cette texture. C'est doux, non? Et pas très sucré. C'est vrai. Je me sens comme Sherazade. Bravo. Ce n'est pas pour rien que nous l'avons appelée Mille et une nuits. C'est vrai. C'est fait pour ça? Non, c'est magnifique. Goûte le café pour sentir les arômes mêlés. Ah, ça se marie bien? Oui, très bien. Tu sens? Délicieux. La cardamome est très aromatique. Les Arabes l'utilisent dans le café. En Inde, les gens la préfèrent dans le thé et dans les plats. Au Liban, le vrai café est aromatisé à la cardamome. Raconte-moi comment vous êtes arrivée au Brésil. Ça n'a pas été trop difficile? Notre mère est arrivée ici avec 5 enfants. Le plus âgé avait 18 ans. Ah oui. Les petits suivaient les grands. Elle ne parlait pas un seul mot de portugais. Oui, elle avait ce handicap. Elle était attachée à ses coutumes, ses valeurs et ses traditions. Mais ici, en Occident, tout était différent. Bien sûr. Il y avait la barrière de la langue. Oui, tout à fait. Pour nous tous. Dans le navire, vers la fin du voyage, elle nous disait qu'elle commençait à s'angoisser. Pendant le voyage, nous avons rencontré une Libanaise qui venait rejoindre sa famille déjà installée. Oui. Elle nous a proposé de venir nous installer près de chez eux, dans une maison qui leur appartenait dans le centre-ville. C'était une maison très simple. Tu sais avec quoi nous avions fabriqué notre première table? Avec une caisse de tomates. Oh, incroyable! Nous n'avions rien, tu comprends? Tout était nouveau. Nous étions des immigrants. Ce n'était pas un simple déménagement. Bien sûr. Oh, je comprends. Ça n'a pas été facile.